Oh wesh. Ah bah votre collègue il est mort là. Je vais faire des spaces de minute quoi les gars. Est-ce que je me souviens? Non j'en ai pas. Bah, c'est parti hein. Ah je vous garantis pas les. Ce sera low qui à 30 FPS, ça suffira bien, vous allez pas vous plaindre non plus, merde aussi en haut. Je crois c'est presque minuit à l'heure où j'enregistre. À l'heure où j'enregistre, c'est quasiment minuit. Je crois. Je sais pas. Merde. Putain, j'ai fait un petit peu le truc qui est tombé. Excusez-moi. Pour vos oreilles. Je vous laisse avec cette cinématique. 2 secondes, je reviens. Je la connais, je l'ai fait 1000 fois. Isaac, c'est moi. J'aurais aimé te parler. Je regrette tellement pour tout. J'aurais simplement aimé parler à quelqu'un. Tout est allé pas bien. Je peux pas croire ce qui se passe. Étrange. Petite chose. Combien de fois l'as-tu regardé? Elle doit te manquer. T'inquiète pas, on y est presque. Tu devrais pouvoir la trouver une fois à bord. Vous avez sûrement beaucoup de temps à rattraper. Écoutez-moi, nous y sommes. Synchronisons notre orbite. Tout ça pour un gros morceau de caillou. L'exploitation minière de l'espace rapporte beaucoup, Daniels. Et J7 est une vraie mine d'or et ça intéresse du monde. Cobalt, silicium, osmium. Bon, où est-elle? La voilà. Destination en vue. C'est donc ça, l'Ishimura. Impressionnant. C'est l'USG Ishimura. Plus grand brise-surface de l'univers. Apparemment, le travail a commencé. Où sont les lumières? Le vaisseau est si sombre. Caporal, faites-nous approcher et saluer. Et évitons le champ de débris. Nous venons réparer leur vaisseau, pas faire le ménage. USG Ishimura, ici l'équipe technique d'urgence de l'USG Kellion, envoyée suite à votre appel de détresse. À vous, Ishimura. Augmentons le signal s'ils sont à court d'énergie. Oui, je sais. Augmentez-le. Plus. Ces engins ne peuvent pas perdre tous leurs moyens de communication comme ça. Vous croyez qu'avec 1000 personnes à bord, aucune ne peut décrocher? Me revoilà. Qu'est-ce que c'est? Un circuit grillé, comme on le pensait. À l'entendre, on dirait un problème d'encodeur. Allons-y avec Isaac, on pourra réparer. 48 heures max. Ok, c'est compris. On y va, allons réparer ça. Recherche gravité enclenchée. Atterrissage automatique à venir. Bordel de... Chef, l'autopilote! Qu'est-ce qu'il y a? On dérive, nous allons heurter la coque! Sur les boucliers! Le rayon tracteur et HS, passez en manuel, vite! En plein champ magnétique? Vous êtes malade? Annulez! Non! On peut y arriver! Caporal, ceci est un ordre! Vous n'imaginez même pas à quel point mon ordi brûle actuellement. Quoi? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous voulez nous tuer ou quoi? Je viens de sauver vos fesses, Daniels. Le pilotage automatique ne tenait plus, on aurait très bien pu s'écraser sur la paroi. Alors on se calme et au travail. Caporal, au rapport. Les propulseurs n'ont plus l'air de répondre. Et nous avons perdu l'autopilote et le signal radio. Ça va nous retarder. Ok. Allons trouver de l'aide sur place pour réparer tout ça. Bouge pas, Isaac. Je garantis pas qu'il n'y ait pas de bug graphique, hein, parce que, bon... Okay, c'est bon. Tout le monde se sent bien à l'aise. C'est un peu un jeu de 2008. On a encore du travail. Tous au boulot. Mais si je le fais tourner sur un Celeron... Je peux même flotter en l'enregistrant sur mon ordi principal, hein.
Même s'il est vrai que j'aurais pu prendre meilleur comme petit ordi, c'est vrai, mais bon, je l'ai pris à un moment donné sans penser que j'allais peut-être faire du gaming dessus un jour. Je sais même pas si on tourne en 30 FPS, à vrai dire. Oui, bah nique ta mère aussi. Ta bouche. Ah, ici, normalement, il y a un truc de soin. Non, attends. Non, c'est l'autre côté. C'est bon, je l'ai récupéré. Ouais, j'ai fait quelques fois ce début déjà. Pour tester sur différents appareils en benchmarkant, j'ai déjà pu voir ce dont ça m'a permis de voir de ce dont tu étais capable des appareils. Y a quoi maintenant? Vous allez bouger vos grosses fesses? Non, parce que... Moi? Moi? Mais qui elle est, celle-là? Ça tourne peut-être entre 20 et 30 FPS, c'est possible, mais ça reste une expérience assez passable. Ah, par contre, je sais pas au rendu comment ça tourne hein, au tournage. Hein. Moi, je sais que ça va. Pour moi, c'est jouable. Quitte à ce que sur les prochains épisodes, je baisse la qualité un peu, hein, y a pas de problème. Hein. Oh là là! Ça, par contre, j'ai pas vu. Cette console de sécurité fonctionne. Isaac, essayez de voir ce que vous pouvez trouver. Kendra, réactivez cet ascenseur. Plus de courant! Impossible! Alors faites-le revenir, bon sang! Bon, si nous coopérons tous, on s'en sortira plus rapidement. Donc, porte 1 fermée. Porte 2, 3, 4, 5 ouvertes. Sécurité élevée. Ah putain. Je vais serrer mon gars. Parce qu'en gros, pour chercher les objectifs, faut appuyer sur cette touche là. Ça active la carte. Voilà. Et ça, je sais plus. Et alors, celle-là, je sais plus ce qu'elle fait. Je sais pas. Merde, c'était quoi ça? La quarantaine automatique a dû être trompée par le retour de la ventilation. Que tout le monde se calme. J'en sais rien. Oh wesh. Ah bah votre collègue il est mort là. Les gars, on se casse. Ça va taper un petit cauchemar, hein, les frérots. Hein. On n'est pas passé loin, les gars. Hein. Wesh. Mattez un peu qui a la taille là. Wesh, regardez là. Aïe de la lame, putain! Vous avez vu, ouais? C'est chaud, hein? Il y a un beaucoup pas long là. Oui, je sais, je sais, je sais. J'ai quand même quelques bases de Dead Space, hein. Allez, ta gueule, putain, tu casses la tête. Pauvre mec, regardez-moi ça, quoi. Hop là, pardon, excuse-moi. Pauvre mec, regardez ça.
Il a perdu son bras, le con. Dieu sait ce qu'il a perdu. Putain, mais ça t'est du... Ça t'est du monstre, ça, là? Attendez, 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 je vais faire un zoom au montage. C'est la tête du monstre, ça? Je vais sûrement faire un zoom... Oh là là, non, je fais même pas de zoom au montage, pardon. C'est ma souris qui a cliqué sur le clavier. Eh... Il est con lui ou quoi? C'est même pas en vrai, je fais pas de zoom au montage de ça les frérots. Wesh, non mais c'est une singerie là, tête de ma mère. Par contre on doit aller où là? Ok, on doit aller là-bas. Voilà, c'est bon, nique ta mère. Allez, laisse-moi prendre le kit de soin, casse-moi pas les couilles. Excusez-moi. Alors normalement... Isaac ! Isaac ! Je peux pas croire que tu es ici. Isaac. On en a croisé d'autres sur le chemin. Tout va bien ? D'autres quoi ? C'était quoi ces choses ? L'équipage ? Baissez d'un ton. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est dangereux. Et la moitié des portes est verrouillée à cause de la quarantaine. On doit rejoindre la passerelle. Mais d'abord... Il va falloir qu'on répare le tram. Hammond, vous allez tous nous faire tuer. Si vous faites ce que je dis, vous sortirez d'ici vivant. Bon, qu'est-ce qui ne va pas? Le disque dur est grillé. Mais il doit y avoir un double à la maintenance. Il y a aussi une rame bloquée dans le tunnel qui a besoin d'être réparée. Bon sang, tout ce qu'il nous faut est de l'autre côté de cette zone de quarantaine et on ne peut pas y aller d'ici. Nous, non. Mais vous, oui. Isaac. Si on rejoint la passerelle, on devrait pouvoir accéder aux fichiers du personnel. Vous réparez le tram, et on cherchera Nicole. Utilisez l'écran carte pour vérifier vos objectifs et visualiser les endroits importants. Donc moi, je suis la flèche. La stase, c'est ce qu'on cherche. Et le... Ok, ouais, donc ok. Par contre, je sais pas comment... Merde, pardon, excusez-moi. Je sais juste pas comment on... Comment on fait. Il me semble qu'il faut aller par là. Oh, wow, 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 wow. Ouh, je sais pas qui c'est ça, mais force à Watt, mon frère. Hein. Ça vient de... Wouah. Ah ouais, ustre. Isaac, attention. Les tirs dans la tête ou le corps ne leur font rien. Visez les membres, découpez-les. Ça devrait marcher. Faut pas que je fasse le con sur comment on fait pour enlever, pour désactiver la stase par contre. Wesh. Ralentissez objets et ennemis grâce à la stase. Cette porte n'a pas l'air de fonctionner, Isaac. Sers-toi du module de stase que tu viens de trouver. Mais je comprends pas.
Ok, j'ai trouvé les gars. On va juste faire demi-tour parce que visiblement là-bas il y a un coin pour sauvegarder, donc on va faire un petit demi. Putain, je me déteste. Il y avait un coin pour sauvegarder que j'ai pas trouvé. Bon bah les frérots, on va devoir trouver plus tard, hein. En fait, ce qu'il faut faire, c'est vous viser, vous appuyez sur C. Et là, on peut passer. Ouah, ça fait bader avec des cadavres. Je mettrai un gros trigger warning. Hein. Je comprenais pas, moi, quand je vois la manette. Ah, mais voilà. Il y en a un là, ça va. Bon. Je vais quand même faire une petite sauvegarde, hein, vous vous doutez bien. Parce que, bon, ça commence à casser les couilles de recommencer la même chose à chaque fois. Je vais vérifier. Ok, c'est bon. 14 minutes déjà. Ok, on va aller juste ici. On va pas tergiverser. Courons vers la lumière. C'est vers quoi cette merde? Reconnecter les pinces pour réparer. Oh! Chien. Oh. Bon. Ah ok, donc lui. Il est censé faire quoi cet enculé? Putain. Eh, j'ai pas un milliard de pompes à stase par contre. Hein, vous vous rendez pas à compte à quel point c'est infernal avec le peu de FPS que j'ai. Et je suis censé faire quoi de ça maintenant? Ok, mais bon, maintenant je vais où moi? C'est lourd, ok, mais je fais quoi? La tête de ma mère quand la dernière fois que j'ai vu des bails comme ça, c'était dans Alien Xénomorphe, les cousins. Et je peux vous dire que j'étais pas bien, demander à mon foyer. Hein. Mais en plus, c'était le jour de mes 20 balais. Donc il y a quelques mois de ça déjà. Bon, je vous aime bien, mais on va s'arrêter là. Hein. Pas trop envie de me chier dessus. C'était Roxas. Que sorry. Passez une bonne soirée. Bye bye.